suis Tingbo Samuel, je suis originaire du Bénin, je suis à Dakar depuis 5 ans, je suis ingénieur du son. Alors je suis auto-entrepreneur et je suis en contrat ces temps-ci avec Dido Dakar Studio. Et on ne peut pas parler de Dido Dakar Studio sans parler de Dido. Dido est une plateforme de streaming panafricaine. Et Dido Dakar Studio est le studio d'enregistrement, mixage, mastering, arrangement. Il y a quelque temps, le Goethe Institute a organisé une formation pour les ingénieurs du son, spectacle vivant. Et vu que je fais du studio de peu près de 20 ans maintenant, j'avais justement besoin de cet apport-là pour pouvoir développer plus de connaissances, plus de pratiques sur le côté spectacle vivant. Au Sénégal, il y a énormément de concerts. Et malheureusement, il n'y a pas forcément la bonne main d'œuvre ou forcément la bonne compétence. Donc beaucoup de gens se débrouillent, ils font comme ils peuvent. Et cette formation apporte justement la connaissance, la rigueur qu'il faut. Alors il y a trois aspects qui étaient super intéressants au niveau de la formation. Déjà c'était le prix, il n'y a pas de prix, c'était totalement gratuit. Le deuxième aspect qui était que la formation était sur place, donc on n'avait pas besoin de se déplacer. Le troisième aspect c'était la qualité des formateurs, ils étaient vraiment très professionnels, ils étaient pédagogiques et on a pu obtenir de tout le maximum, si je peux le dire ainsi. Il faut dire que je suis perfectionniste de nature, donc je prends mon temps pour donner le maximum de qualité à tous mes clients. Et je me suis rendu compte qu'à Dakar, il y a justement cette recherche de qualité-là. Et je pense que c'est ce qui fait que la plupart des clients me consultent ou nous consultent. Alors, il y a deux types de difficultés dans le secteur. Le premier point, c'est les finances, tout simplement. C'est vraiment pouvoir lever des fonds ou pouvoir avoir assez d'argent pour pouvoir acheter du matériel, pour pouvoir faire la maintenance de ces machines-là. Dans un futur proche, de transmettre le plus de connaissances aux élèves, à tous ceux qui sont intéressés par le métier d'ingénieur du son. Ensuite, à long terme, avoir un complexe dans lequel on pourrait avoir un pôle enregistrement, un pôle mixage avec tout ce qu'il faut. Mon but, c'est de devenir l'un des meilleurs ingénieurs du son africain.